Alors, une proposition de Louis, pourquoi on ne cherche pas des hackers algériens, la guerre est numérique. La guerre numérique, dans un état numérique. Mais ils n'ont pas de numérique. Ils n'ont pas le niveau analogique. Ils n'ont pas le numérique. Je ne connais pas le numérique. Je connais le numérique dans l'armée. Je connais le numérique dans l'Est de la Jumhuria. Les gens qui sont dans le monde. Je connais le numérique. Ils sont attaqués. Tu attaques quoi? واش عندك يمشي تاب لي زورديناتور البنك بالورديناتور وما يمشيوش كيس تو فا اتاكي تو ناري انا اتاكي ما عندك ما تهاكي يا ريان يا ريان هاكي Alors, une question de Ellie. La solution est entre les mains des Algériens. Il faut l'audace de la mettre en œuvre. L'audace ne sous-entend pas une solution non pacifique. Oui, comme l'audace, il est nécessaire, il faut oser. Il faut oser défier. Mais défier quoi? Sa propre peur, en fait. Parce qu'il n'y a rien à défier. Eux, ils n'existent pas. Sauf que le peuple est juste sous l'emprise de la peur. Donc, il faut qu'il ait l'audace de vaincre sa peur. C'est tout. Alors, Monsieur Ahsen, il faut composer des cellules indépendantes au niveau de chaque commune pour liquider ces gens-là. Monsieur Ahsen, merci pour le truc. Ça, c'est une étape. On n'en est pas encore à cette étape-là. Peut-être elle viendra, on ne le souhaite pas. Mais s'il faut qu'elle vienne, oui, bien sûr, les comités d'autodéfense civile contre cette mafia et cette pègre qui dirige l'Algérie de manière illégitime. Mais il y a encore des moyens pacifiques, diplomatiques, économiques. Et d'abord, le bouclier économique, il est très important dans une révolution actuellement. Parce que le monde tourne autour de la finance, autour des investissements. Il y a pas mal de sociétés étrangères qui ont investi en Algérie. Maintenant, si on arrive à faire pression sur ces sociétés-là et de bloquer leurs intérêts en Algérie, je vous assure que le pouvoir Hada yahbat comme un château de cartes. C'est des propositions, M. Azdine, il vous dit, moi je pense que le peuple soit organisé pour une révolution par la force, la liberté s'arrache, comme ils ont fait nos parents dans le passé. Tout à fait, sauf qu'on a une force d'abord à utiliser, c'est la force de la guerre économique. Il faut qu'on fasse une guerre économique à ce pouvoir-là. La guerre économique, c'est de bloquer toutes les compagnies étrangères en Algérie. Alors, les Imaratis et tout ça, il faut les chasser carrément, comme des chiens. Il faut les chasser comme des chiens sauvages. Il faut casser les intérêts de tous les pays du Golfe en Algérie, sans exception. Et surtout, une chose importante, il faut que l'armée cesse sa collaboration commerciale avec l'Imarat. Parce que chaque jour, il y a des gens qui ont fait des choses. L'Imarat ne sait pas dire quoi. L'Imarat, beaucoup de gens sont venus dans le Pakistan. Ils ne savent pas dire quoi. Où est-ce qu'il y a? Ils sont venus dans le Zaire, avec le général de Zaire, de manière indirecte. Là, on commence vraiment des économies. Allez chercher la pièce détachée dans telle usine Mercedes à l'Imarat. Je vais à l'Allemagne. Chez l'Allemagne. Et combien ils coûtent les engins Hadou? Publiez le contrat avec l'Emirat. Le partenariat, publiez le contrat complet. Attends, le chef de l'Emirat. T'achemouche. Mais t'achemouche. Mais t'achemouche, mais drapeau les oracles, madak. Mais t'achemouche, mais chouhada, mais tu as le blé d'Adi. Mais t'achemouche, mais rabbi. C'est incroyable. درجة الخيانة اللي وصلوا لها. عمري ما ظنيتها توصل الدرجة اللي وصلوا لها هذه، عمري في حياتي. لا أعداء أعداء الجزائر خلوه حاير، حار. قال لك سبحان الله ما ملك الحكم فما ندير لها شك. داروا فينا وشعدونا ما يقدرش يدير. هذوما اللي سماهم ربي. Alors, Monsieur Rahmani, S. Bouyou, il vous dit, j'ai posé 15 questions à Monsieur Rahmani et aucune réponse. Vous êtes des purs sectaristes. Je vous assure que je n'ai vu aucune question passer. Ils ne peuvent pas imaginer comment ça passe à une vitesse tellement qu'il y a une doubeb. Donc, si j'arrive à les,
Monsieur ou Madame Bouillot, je vous assure que je n'ai vu aucune question. Ben, qui la repose maintenant, on va la récupérer. Si je, j'arrive à... Sectariste, pourquoi sectariste? Je vous assure qu'on n'est pas sectariste. Vous croyez que les gens, avant de répondre à leur question, chauffent la pièce d'identité de Tahmahnaya? Une question de Uranus. Beaucoup de jeunes sont induits en erreur. Je lis toutes les questions, parce que celles que je ne suis pas sectaire du tout, par de faux prédicateurs, surtout à l'étranger, c'est Zetot. Il faut les remettre sur le droit chemin en bloquant ces faux prédicateurs. Au contraire, il faut bloquer personne, déjà à la base. Il faut que le peuple apprenne par lui-même à faire la différence entre X, Y et Z. C'est pourquoi nous, on appelle le peuple à se fier au programme et non aux personnes. Posez la question qu'il faut, essayez d'avoir la réponse qui vous convainc vous-même. Yani, c'est vrai, les gens ont beaucoup de choses à faire avec ce peuple. Les gens ont beaucoup de choses à faire avec le peuple. Ils ont dit qu'ils ne la preuve est éclatée. Il a dit que je ne suis pas le président. Tu veux faire une marque sans le président. Ou tu veux faire une marque. La marque politique, la marque éducative, la marque scientifique, la marque philosophique, la marque que tu veux. Quelle marque tu veux prendre dans quel domaine que ce soit. Est-ce que tu es contre le jahl? Est-ce que tu es contre le déséquilibre? Est-ce que tu es contre la pauvreté? Est-ce que tu es contre? Il faut que la gouvernance te donne un programme et que ce programme soit suivi. ويتصلح كي نشوفوه باللي ما عداش الطور نتاعو ونحاسبوا القياده هذه هذا واش لازم الناس يفهموا سي تري سامبل جو سوي داكور افيك سيت دام وي لي زابوتر دو ساتان يونا تيلمون اون الجيري ك اون اريف بلو داير الاخرين اللي خرجوا هذو بكل على بالنا منين جاوا لوريجين تاعهم هي سيرفا كوا ايلز كري بلوزيور ساتيليت كي ابارتيان على لا ميم نيبولوز سي لا نيبولوز دو الاسلام بوليتيك. Il y a beaucoup de gens qui croient à faire de la politique, c'est qu'il faut avoir un diplôme en politique. Non, la politique, c'est une vision claire et un projet et une vision lointaine aussi. Diriger, c'est prévoir, c'est imaginer, c'est échafauder des projets, c'est avoir un programme, avoir une vision. Et n'importe qui n'a pas besoin de diplôme pour avoir tout ça. C'est vrai, les diplômes, ça facilite, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi une expérience professionnelle, une expérience de vie. Ici, M. Hamza, à l'étranger, dans les pays développés, on valide les acquis professionnels ou les acquis de la vie. C'est-à-dire, on voit le parcours des gens et ils peuvent correspondre à des diplômes même supérieurs. Donc, il ne s'agit pas d'être un... D'ailleurs, les gens, ce qu'ils appellent intellectuel, c'est quelqu'un qui a un diplôme. Non, intellectuel, il y a des autodidactes, ils sont beaucoup plus puissants que des PhD dans les universités. Alors, une question de M. Faisal, il dit « Le peuple a peur ». Il est traumatisé, il veut une révolution des anges. Ah ben ça, il faut qu'il aille voir au paradis. Alors, une question de Ahmed Slimani, il dit comment briser l'entreprise qui gère les ports? Eh bien, tout simplement, en brisant les transporteurs dans les ports, en bloquant les camions, mes khordjouches, en bloquant certains systèmes, ben, les bateaux Ugado en rade, on met trop sur la capitainerie, en lançant des mouvements de grève, etc. En plus de ça, eh ben, on peut tout simplement, tous les étrangers, les Jébirmikhdmou, les Libanais, les Soudanais, tout ce qui s'en suit, on les bloque. Pareil aussi pour les bateaux de la CNAM et les bateaux pétroliers algériens, les firmes d'équipage étrangers, eh ben, il faut que les équipages déguerpissent. C'est aux Algériens d'avoir ces postes de travail. Djibri Pakistani ou Hindi Anaya ou Bulgare, on a 4 800 euros. Ou le Jazairi qui t'chadmou, t'chadmou par 1,5 million, je suis désolé. Khobz d'dar, yakoulou houlad d'dar, mais yakoulou chel barraniya. Il faut que ça finisse. Mais les ports, c'est très facile de bloquer, surtout les ports, c'est très facile de les bloquer. Bloquer les transporteurs des ports, tout est bloqué. Saboter les engins qui déplacent les containers, tout est bloqué. Quitte saboter un engin, il t'chadmou le rouma pendant 10 jours, c'est de l'argent, c'est de surinstaller. Ils perdent de l'argent, ils perdent de l'argent, et ben, ils sont obligés de partir. Tout est question maintenant de perte et profit. Jouons sur ça. Le monde entier joue sur ça. Jouons sur ça.